Bonjour, mon nom est Amina Tijani. Je représente la société Nanosor qui est spécialisée dans le domaine des nanotechnologies durables. Je suis venue pour partager donc cette matinée avec les collègues de l'Institut d'économie, avec monsieur Schneffa. Et voilà, tous les organisateurs de ce workshop qui vise à préparer la COP22 à Marrakech pour la semaine prochaine. Et donc, c'était une matinée très riche d'informations, d'échanges, qui nous a permis d'échanger autour des problématiques de l'agriculture au Maroc, dans les différentes localités autour de Meknès et ailleurs. Et donc, mon exposé, mon intervention visait à leur expliquer quelles sont les potentialités et les solutions qui peuvent être apportées par cette nouvelle technologie qui est une rupture technologique apportée dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc, c'était très intéressant. On a appris chacun de l'autre. Et je pense qu'à la fin, on était assez optimiste pour l'avenir de l'agriculture en Europe.